Pour la première fois depuis 2003, la consommation de cannabis chez les adolescents de 17 ans progresse. Près d'un jeune sur deux a déjà fumé un joint, contre 41% il y a 3 ans. Une augmentation qui concerne autant les filles que les garçons. Plus que le simple test de cette substance illicite, c'est surtout le taux de consommateurs qui alarme. 25% des adolescents fument au moins un joint par mois et près d'un sur 10 consomment du cannabis en moyenne 10 fois dans le mois. L'usage quotidien progresse également. Autre augmentation, les comportements dits à risque ou de dépendance, 8% des jeunes seraient concernés contre 5% il y a 3 ans. Si certains jeunes consomment cette drogue pour ses effets euphorisants, d'autres l'utilisent pour décompresser ou trouver le sommeil plus facilement. Une addiction qui inquiète d'autant plus quand on connaît les effets nocifs du cannabis sur la mémoire et qu'on sait qu'il favorise l'apparition de troubles psychiatriques tels que la dépression et même la schizophrénie.